Bonjour à tous, ici Sprunex et bienvenue dans ce 39e épisode de Let's Play sur Hérétique. On va essayer de terminer le chapitre 5 dans cet épisode. Ça va limite. Enfin, j'espère. Alors, j'ai trouvé ma petite erreur, j'étais pas super... Je devais pas avoir les yeux en face des trous, je vais dire ça comme ça, parce qu'ici, vous voyez, il y a un escalier que je n'avais pas vu. Je l'ai vu en regardant de retour la vidéo. Et donc, on est parti. Alors, ici, on va passer le porteur, on rentre. On rentre, on va jusqu'au bout. Ah ben non, c'était ça le problème. Zut. Avoir trouvé, mais je vois que... Alors, on diminue. Voilà. Pas trop quand même. Là-bas, il y a un interrupteur que je n'ai peut-être pas pressé. Je pense que j'ai déjà appuyé. Il y a l'air que j'y ai appuyé. Ouais. Alors ensuite. On grimpe ici. Ça. Alors ici, voilà. Je ne vois pas l'interrupteur, je vais aller voir un peu l'extérieur. L'extérieur, c'est pas beaucoup mieux. Donc là, j'ai appuyé. Je ne sais pas, il me manque quelque chose. D'atterrir dans le bassin. J'ai raté.
moins c'est calme. Hein. Voilà. Alors, par là, il n'y a rien. Ouais. Par là. Ça doit être par ici, obligatoirement. Ça doit être dans le coin, mais... c'est pour atteindre là-haut. Au pire, ce que je peux faire, c'est... utiliser mes ailes. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Oups. Ah, j'en ai plus. Zut. Bah voilà. Qui avait une idée. Tant pis. Et je sais que la clé bleue va se trouver quelque part là-bas. Là, il y a un bouton. Faut que je réussisse à aller là-bas. Là-bas, c'est juste ici en face. Réfléchissons. Comment je fais pour atteindre ce bouton? Je ne sais pas, franchement,
Bien, vous savez quoi? Petite pause. Je vais tricher un peu. Allez, on est de retour. Bon, j'ai été voir un peu la soluce. Et c'était bien ce que j'avais fait. Donc, soit le moteur de jeu bug, soit j'ai mal fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir ici. Ah, d'accord. On va venir ici. Là, une porte. Hein. Et tirer là-dessus. Voilà, je ne sais pas. Hop, voilà. Je sais pas ça. On est là. Ici. Si je descends, là ce sera vert. C'est ça. Là j'ai pas. Secret. J'ai avec les bleus. Alors c'est très bien, puisque j'ai avec les bleus, il y a la porte bleue qui est là. Juste au cas. Yeah.
Et on fera tout de suite le boss. J'entends bien, mais... Je sais pas, je ne sais pas où aller. Je vais vite voir comment on ouvre pour éviter de rester coincé pendant des heures et des heures. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau? D'accord. Bon. On y retourne. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'il faut voler. C'est ça. Et là on est parti. Hop. J'ai deux anneaux. Et hop. On est parti. Allez.
casque. Chapitre 5. Alors que le dernier Molotor agonise, vous réalisez que vous n'avez jamais été si près de votre propre destruction. Même pas le combat avec Disparil et ses disciples ont été aussi désespérés. En souriant, vous regardez les portes qui s'ouvrent devant vous. Est-ce qu'elle vous conduit chez vous ou est-ce qu'elle ouvre vers une autre horreur? Vous vous demandez si vous avez la force de continuer, si rien d'autre que la mort et la douleur vous attendent. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre si la volonté de combattre est partie? Pouvez-vous forcer de continuer dans les feux? Ouais, bon, bref. Et ben voilà, c'est terminé. On prendra donc le sixième chapitre dans le prochain épisode. En attendant, bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Un pouce en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite et surtout, portez-vous bien. Bye!